Moi, je suis né à Zurich. À Zurich, où j'ai grandi, et puis j'ai toute ma scolarité, et puis ensuite ma formation professionnelle. Quand j'étais jeune, j'étais un guitariste très motivé, je faisais beaucoup de musique, et puis j'ai cherché quelque chose qui allait dans cette direction-là. Et j'ai tombé un peu par hasard sur le métier d'accordeur de piano, un métier qu'en fait je ne connaissais pas, mais il me semblait que c'est plus sérieux d'apprendre un métier, quitte à revenir sur la musique après. Et c'est en tout cas mes parents m'ont poussé de faire un apprentissage. Et c'est cette manière-là que j'ai commencé un apprentissage dans un atelier de facteur de piano. Alors j'avais la chance d'avoir trouvé un maître d'apprentissage qui avait une éthique professionnelle remarquable. Même si j'ai pas appris toutes les facettes du métier chez lui, il a pu semer une graine chez moi qui a germé et puis qui m'a transmis une passion qui m'a resté fidèle durant toute ma carrière professionnelle. Donc je dois beaucoup à mon maître d'apprentissage. Pour être accordeur de piano, il faut avoir bien sûr d'avoir une bonne oreille, il faut être habile de ses mains, il faut avoir un sens esthétique, car le métier englobe un peu plusieurs métiers à la fois. C'est un peu l'ébénisterie, c'est de la mécanique, c'est un peu les vernis, c'est aussi la musique. C'est beaucoup un travail d'appréciation, d'observation, des réglages. C'est pas des valeurs, c'est chaque fois un peu différent. Et le métier de facteur de piano, c'est par définition un métier artisanal, où on travaille à la main. Alors, après de nombreuses années de travailler à Genève chez un employeur, j'ai aspiré à plus de liberté, me servir plus à l'art, et toujours à la quête de l'excellence et de la perfection. Et là, quand créons Piano Service, j'étais mon propre maître, libre de servir l'art, servir les musiciens. Alors j'ai commencé tout seul, avec un petit atelier de 40 mètres carrés, qui était largement suffisant pour moi. Et ça a grandi petit à petit, et tout seul, ça devenait ingérable. Imaginez, il fallait accorder le piano Victoriol. Le même matin, il y avait une activité, un enregistrement à la radio, et puis une audition au conservatoire ou des examens. Mais là, il fallait se lever très tôt, parfois à 3 heures du matin, parce qu'à 9 heures, tout devait être prêt. Alors là, il y a même un moment donné que j'ai trouvé un premier employé qui venait chez moi. Et je l'avais au centre de formation professionnelle où j'ai enseigné pendant 25 ans le cours de piano à queue. Et c'était le meilleur apprenti que j'avais. Et là, c'était le début d'une équipe qui a petit à petit grandi. Et aujourd'hui, nous sommes 6 professionnels et 2 personnes à l'administration. Une de mes joies au quotidien, c'était trouver mon équipe le matin et de partager le travail. Je ne suis pas le patron à l'ancien. J'implique toute mon équipe dans les décisions, dans les démarches. Et ça, c'est un aspect pour moi très important de valoriser chaque personne dans une équipe. Cette dynamique, c'est très positif. C'est une dynamique de l'équipe qui se porte évidemment, qui se porte beaucoup sur la qualité après. On est à quelque part tous gagnants dedans. Et également, le fait qu'on est devenu 6 facteurs de piano, ça facilite énormément les tâches parce que ces activités culturelles, ça tourne 7 jours sur 7 jours. Et on n'y a quasiment jamais de week-end où on n'est pas en route. Et puis ça, au début, c'était extrêmement lourd et maintenant, on peut partager ce travail dans l'équipe. Pour notre profession, Genève, c'est une ville très active. Il y a une ville culturelle très développée.
Et pour nous, c'est facile de travailler à Genève. Alors aujourd'hui, on propose un peu tous les services. Concrètement, c'est d'abord l'accord d'argent à domicile chez les clients. On fait des révisions, on fait des grandes réparations, restaurations. Ça se passe en grande partie à l'atelier. Et parallèlement, on a développé le service de concert. On a développé beaucoup plus. Pour les locations, pour les festivals et des concerts dans les salles où il n'y a pas de piano, on a développé une logistique de transport avec laquelle une seule personne peut transporter un piano de 500 kg et même monter les escaliers. Alors là, c'est les festivals d'été, les concerts durant l'année, un peu partout où est la demande. On propose ces services, soit le petit piano à queue jusqu'au grand piano de concert. Et depuis 10 ans, on fabrique aussi un piano à queue de notre propre marque. Ce piano-là, aujourd'hui, c'est notre fierté et qui a beaucoup de succès. On a eu la chance qu'il a été joué ici dans nos locaux par quelques grands artistes et le retour était très positif et très encourageant. L'accordeur doit être aussi un peu psychologue. Imaginez-vous, le jour du concert, le pianiste arrive dans la salle, il ne connaît pas le piano. Chaque fois, il doit s'adapter à un autre piano et l'apprivoiser. Alors, en préambule du concert, l'accordeur doit gérer toutes ces tensions au plus positif possible pour l'artiste. Prendl, c'est quelqu'un extrêmement exigeant, obsédé par certains aspects du son. Et puis ce jour-là, il vient tous les deux ans. Ce jour-là, ben, j'avais l'impression, mais aujourd'hui, mon cher Pierre, tu n'as pas pu satisfaire M. Prendl. On a travaillé 2-3 heures sur le piano. Le concert commençait. C'était 2 concertos de Mozart. À l'entracte, je suis allé derrière l'orchestre pour voir si tout ça va bien. Et le cher M. Prendl, il me voit, il me met tout droit comme ça sur moi. Je dis, aïe, qu'est-ce qu'il arrive? Il me tire par les épaules et me dit, écoutez, c'est génial ce que vous avez fait. La prochaine fois, vous me préparez le piano comme ça. Il est parti, évidemment, j'étais très heureux. Et ensuite, c'est quelqu'un qui m'approche, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, mais vous êtes qui? Je ne comprends pas. Ah, je suis le régisseur de l'orchestre. On voyage beaucoup avec Prendl, mais je n'ai jamais vu M. Prendl s'adresser avec des paroles comme ça à un accordeur. Il a souvent des problèmes avec les accordeurs, mais ça, j'en ai jamais vu. De chaque année de mettre le piano de niveau à niveau. Le fait qu'il a joué très sollicité pendant l'année, et à l'été, c'est le moment donné de tout mettre de nouveau à niveau. Alors ça commence par revoir la mécanique, poncer les marteaux, enlever les traces du jeu pour de nouveau donner un nouveau profil. Et ensuite, il faut travailler le marteau, l'assouplir le feu jusqu'à ce que le son aille de nouveau tout ce qu'on demande d'un piano d'orchestre, à la fois qu'il puisse faire face à un orchestre dans le fortissimo et à la fois qu'il puisse murmurer, qu'il y a une palette de couleurs, le pianiste puisse exprimer toutes les intentions musicales.
Et puis durant l'année, il y a toujours les exigences des pianistes qui peuvent varier énormément suivant le répertoire qu'ils jouent. Si on joue un Prokofiev, il veut un piano très musclé. Si on joue un Mozart, il veut un piano dans la finesse. Si on joue un Ravel, il veut une palette de couleurs. Alors, il y a des pianistes qui demandent des choses très spécifiques. Dans la mesure du possible, on le fait, mais il faut aussi penser aussi au lendemain où un autre pianiste demande autre chose. Donc il faut savoir doser, savoir accepter, puis savoir jusqu'où on peut aller pour répondre à ces exigences-là. Alors le travail d'aujourd'hui ici au Victoria Hall, c'est le travail à fond pour avoir un piano passe-partout avec le plus grand possible des palettes de sons. C'est un petit peu comme le peintre, on lui donne toute une palette de différentes couleurs. Alors le travail consiste un petit peu à ça, à permettre au pianiste d'avoir toutes les possibilités, tout ce qu'il imagine, il peut le réaliser après dans la musique. Ce que j'aime, ce que je préfère dans mon métier, et où je trouve la source d'énergie, c'est le retour des artistes ou les retours des simples musiciens sur un travail bien fait. On se fatigue parfois un peu trop parce qu'on met toute son énergie dedans, mais c'est équilibré par le retour qui est de nouveau une source d'énergie. Ça fait vivre et puis ça fait toujours donner envie d'aller encore un peu plus loin.